ça, ça va nous tuer nous par contre. Attention, recule, recule, recule. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur No More Room in Hell 2 en compagnie de Kilira, sachant que j'avais fait le 1 mais il y a 10 ans, donc autant vous dire que j'ai peu de souvenirs, même si j'en ai un petit peu quand même, et du coup j'avais très hâte de tester celui-ci, même si je savais plus exactement ce qu'il fallait faire dans ce jeu-là, donc on était vraiment en mode totale découverte avec Kilira dans l'épisode que vous allez voir. C'était notre toute première partie et j'avoue qu'on se posait pas mal de questions, mais pour vous expliquer, c'est un genre de Left 4 Dead, mais avec quand même, des objectifs à accomplir sur différentes étapes en fait sur la map. La map est quand même assez grande. On est 8 joueurs d'ailleurs dessus, mais nous on a lancé juste avec Kilira, donc en fait il y avait d'autres joueurs qui étaient des randoms, mais a priori il faut se réunir après pour faire des quêtes et tout ça. Bon, encore une fois, c'était vraiment la découverte, hein, vous allez voir. Et en gros, il y a des phases où oui, il va falloir un petit peu cartonner hein, du zombie, en découper et tout. Et autant il y a des phases où il va falloir être un petit peu plus furtif, ou en tout cas essayer par moment de faire des objectifs. Sans faire que se battre constamment, parce que il y a des moments où on est un peu tranquille et il y a des moments où c'est vraiment des zombies infinis, donc faut arriver à avancer autrement et c'est pas évident. Ça met la pression et on sent que le jeu a été pensé pour être quand même en grand nombre hein, quand on joue dessus, et bien, généralement en vocal, hein, ce serait mieux, voilà, je vais y arriver. Et là, pour le coup, vous allez voir que le fait d'être que deux, même si on a croisé des gens et tout qui... ont quand même fait le taf, hein, à un certain moment de la vidéo, il y a aussi des moments qui ont été un petit peu laborieux. Malgré tout, vous allez voir que pour une première partie, moi j'étais très content du résultat, parce que vous le verrez à la fin de toute manière, mais on s'en est pas si mal tiré que ça, et ça permet quand même de vous montrer un petit peu à quoi ressemble le jeu, sachant qu'il est plutôt intéressant, même si j'aimais certains bémols sur le jeu, mais ça on en reparlera plutôt en conclusion de la vidéo, donc je vous laisse avec les images. Mort au combat, en vie, on est avec des gens ouais. Là. Ah ouais, t'as raison, vas-y, okay. Ouais, c'était le retour. Attends, je vais voir si le son, ça va mieux là contre ce zombie d'ailleurs. Ok, c'est déjà un peu plus raisonnable. Je sais pas s'il y a le... C'est rallié. Ah, dans le doute. On va éviter. Ok, allez, ça hop. Se loot pas, ça, on est d'accord. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'on a beaucoup de munitions déjà? En vrai, avec mon révo... Ah, il y a un bandage là, si tu veux. Ok, on a que 6 balles, on a vraiment les 6 balles du... J'ai eu un truc de soin tout à l'heure, donc peut-être prends-le si t'en as pas. D'accord. Mais c'est une bonne question de savoir si les joueurs sont... C'est donc apparaît. Hein ? TH, 134 mètres, je sais pas si c'est un joueur ou si... Attends, oui, j'ai vu un truc là avant. Ouais, t'as vu quand on regardait par là, ici. Ah ouais. Bon, si on le voit, c'est qu'on doit être allié avec. Hein. De toute façon, pour moi, c'est du PVE, hein. Ok. Je pense. C'est y avoir coop jusqu'à 8 normalement. Oh, si par on contre, prend une claque, c'est quoi l'objectif vraiment Ah bah c'est peut-être les points qu'on voit là-bas juste, mais. Oui, je pense que c'est les points. Ça je l'ai vu, mais en vrai c'était de savoir ce que c'est qu'il faut faire quoi. Je pense que c'est ce qu'ils nous ont dit au début, mais vu qu'ils parlent pas français et qu'il y a pas de sous-titres. Ah, c'est ça que je voulais voir. T'as regardé s'il y avait des sous-titres en fait? Non, j'ai pas regardé. Tu veux, je peux le faire tout de suite. Je veux bien la limite. Ok, je regarde. Moi, c'est dans accessibilité, mais c'est pas le cas, y a rien. Ouais. Graphisme, non. Affichage non plus. Peut-être interface. Afficher l'interface du narrateur, mais moi, c'est déjà coché. Donc, ça doit pas être ça. Non, y a pas. Je pense qu'on doit aller à la station forestière et à la scierie, déjà. Ok. Mais je sais pas encore pourquoi. Ok. Bah, pour l'instant, j'aime bien la vibes, en tout cas. Ah oui, l'ambiance est sympa. Graphiquement, il est joli. Ouais, c'est pour l'instant, c'est pas mal. Attends, là, il y a un truc, là, c'est des mines, hein. Ah bon? Je sais pas, ça ressemble pas à des mines, ça? Peut-être, vas-y. Ah non, petite fourniture, prends, parce que j'ai pas trop de notion de ce que ça peut faire. Fourniture clinique importante pour le CRC. Mais alors, c'est peut-être après, une fois qu'on extracte et tout, je sais pas trop. Sachant que toute mort, apparemment, est définitive, mais si tu gardes le perso, tu peux l'améliorer, quoi, après. Piste de Nold 2... C'est quoi ça? Il y a pas mal de loot, donc faudrait... Mais je m'en souvenais pas comme ça, le jeu. J'ai l'impression que c'est pas comme le 1, en fait, là. Parce que moi, le 1, c'était un truc quand même assez linéaire, un peu, je te dis, à la Left 4 Dead. Oh là, t'avais quand même quoi, des là. Quêtes à faire. C'était quand même difficile, il me semble. Ouais. Mais je sais pas, là, j'ai presque l'impression qu'on est sur du Unshowdown. Tu sais, le truc en mode objectif au milieu d'autres joueurs. Ah oui, je vois. Après, je pense pas, parce que pour moi ça reste coop. Mais j'avoue que ça met le doute, là, du coup.
J'ai plus de stun. Ah non, j'ai pris un coup. Comment on voit la vie? Moi je fais tab pour voir ma vie. Ah, c'est le truc là-haut là. Ok, ouais, on voit qu'il manque une jauge un peu. Enfin, on voit que ça diminue, ok. Ouais. Oh, les petits rats. Ouais, une souris là. Elle fait peur celle-là. Celle-là va crier. Elle va crier, ouais, je pense. Faut peut-être lui tirer dessus du coup. Tu crois? Je sais pas, dans le doute. Hein. Elle criera pas celle-là. Elle va moins gueuler. Elle criera pas, t'inquiète. Okay. Mais toi aussi, t'avais un coup de plus qui est parti. Oui. Là, j'ai encore. Il faut que je m'adapte. Ah non, mais pareil, en fait, j'ai eu la même chose. Il y a le temps d'adaptation. Parce qu'il y a un petit temps quand même hein, pour taper. Hein. Alors, ouais. Je sais pas si c'est de la latence ou si c'est normal. Après, c'est le temps qu'il charge. On voit qu'il commence quand même le mouvement, donc je pense que c'est normal, mais c'est des coups un peu lents, ouais. Oh, bonjour. Martine est en vie. Alors, en vie. Pourquoi ça clignote? Ah non, c'est quand tu tapes. Okay. J'allais dire, ta lampe, elle clignote. Ah. Ah, mais ma batterie, elle se consume. Hein. Ah ouais? Elle se décharge, là, je la vois. Bah, j'ai plus que deux sphères rouges. Alors, allons-y. Il y a plein de trucs là. Fournitures larges. Après, c'est que des fournitures. Ah, j'ai un gilet par contre. Mais il y a beaucoup de fournitures, mais je sais pas encore à quoi ça sert quoi. Oh les rats. Là, ta fourniture. Attends, mais pourquoi ils sont venus vers nous alors qu'ils venaient de là-bas? C'est comme si quelqu'un d'autre les avait aggro. Oh, lampe déployable. Sacrée lampe. Hein. Tada! Ah, bah dis donc, elle est plus grande que la mienne. Moi, j'ai une petite. Bah ouais, je viens de la looter là, du coup. Ouais, j'ai vu. Ok, par contre, je peux pas avoir autre chose. L'endroit. Je peux pas avoir autre chose en main tant que j'ai ça. Tu m'étonnes, vu la taille du. Attention, l'arbre. Oh là, ça va casser. Vas-y, je passe. C'est quoi ça? C'est l'arbre. T'as entendu autre chose? Il a fait un bruit, j'ai cru que c'était un monstre. Hein. Ok. Donc, je sais pas trop où on doit aller, je t'avoue. Ah, l'ambiance, elle est géniale par contre. Hein. Oh là! Qui c'est qui se lève là? Ah, en bas, ok. Ok, on remonte, on monte, on monte. Ok, ça clignote ma lampe. Ok, merci. Je vais voir ce qu'il y a là-haut. Oula! Est-ce que j'ai une touche rapide pour prendre ça du coup? Moi je fais un 2, 3, 4. Non, mais dans le sac à dos, il n'y a pas de touche, je crois. Ah! Sinon, ouais, c'est un 2, 3, 4 pour les 4 premiers slots. On peut encore monter, est-ce qu'il n'y a pas un truc intéressant là-haut? Ouais. T'as pile de lampe torche si tu veux et fourniture moyenne. Ah, si, là, un couteau de cuisine! Bah tiens, prends-le. Ce sera peut-être toujours mieux. Vas-y, je vais essayer. Hein. Je sais pas, en bas. Ah, mais c'est les slots que je vois. Je sais pas. Attends, le gilet, il est équipé ou pas? J'ai important, je pense que oui. Donc la pile. Je pense qu'il doit être équipé, ouais. Comment je la mets là-dedans? On verra une fois que c'est fini, peut-être. Ok, bon, le couteau est équipé. Alors, les deux points se trouvent là-bas. Il y en a un à 270 mètres, là. Rétablis moyennement la santé. Rétablis grandement la santé. On peut rentrer là-dedans. Merde! Oh non. Bon, bah alors là. Bon, bah, si tu veux, on part. Ouais, on s'y revient, viens. En vrai, c'est pas mal, hein. On aggro là et pendant ce temps, on est plus là. C'est vrai. Dit comme ça. Ouais, sans chier, il y a beaucoup de trucs de fourniture, mais sans trop savoir, pour l'instant, je pense que ça va être vraiment quand on sera dans le menu, hein, ça. Qu'il y aura un intérêt. Oui, je pense que oui. J'avoue qu'on sait pas du tout dans quoi on met les pieds, là. Ah non, là, on est en full découverte, hein. J'aime bien l'ambiance. Bah ouais, et puis ça en fait, ça donne l'impression vraiment que c'est un jeu que tu auras envie de farmer en mode ok, tu récupères plein de trucs pour te perfectionner et tout, mais à voir. Là, j'ai vraiment aucune notion de ce qu'on pourra vraiment faire et tout. Après, on peut couper, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Bah, je sais pas. Ah, zombie.
Je te vois un peu surfer, je t'avoue, là. Ah ouais? Ouais, vite fait. J'ai pris un coup. Ah, faut que je me fasse aussi au couteau. J'en prends, là. Attends, bah, je vais venir finir le tien, peut-être. C'est bête, là. Ah, il m'a rushé. Ah, je me suis fait avoir, il m'a rushé, je m'y attendais pas, lui. Ah. En fait, lui, je le démembre, mais... Je peux taper plus vite, mais par contre, je trouve pas que oh ça tue là, plus là, vite. C'est bêtement. Ah ouais, ton couteau, il le découpe et tout. Ouais, mais c'est chiant, en fait. Hein. Je préfère l'autre. Hein. Je tue pas. Ouais. J'ai plus de stam. Non, mais c'est pas possible. Et il crève pas, ou... Ah, j'ai switché, hein. Alors, à moins que ça lui ouais, que soit résistant de fou. Ça se trouve, c'est juste ça, hein. Là, ça fait beaucoup, quand même, je trouve. C'est grave, monsieur, en fait, là. Ah, bah voilà. Waouh. Lâchez l'objet actuel, lâchez tous les objets. Ok, tiens, je t'en drop déjà un. Vas-y. Et même, vas-y, je t'en drop deux. Hein. Oh non. Waouh. Bah, c'est sous la voiture. T'as eu les deux? Ouais. Ah, tant mieux. Ce serait bien de trouver des munitions, par contre, j'avoue qu'on n'en a pas beaucoup. J'aimerais bien trouver un katana ou une batte de baseball, hein, quand même. Ouais, j'avoue. Par contre, ça tire là-bas. Hein. Et encore une fois, En fait, faudrait regarder la page Steam. Est-ce qu'il y a marqué coop ou PVP? Tu te sens de regarder vite fait, vu que je suis en règle, c'est un peu chiant. Ouais, ouais. Par contre, ouais, arrête-toi là de suite alors, parce qu'il y a beaucoup de zombies. Il n'y a pas du tout, il n'y a pas du tout PVP. Oui, c'est coop, on est d'accord. Ok, ouais. J'ai pris cher. Derrière toi, il y en a deux autres qui arrivent. Fais gaffe. Bouge. Ah, ça commence à être grave là, même mon état de santé là, j'ai pris 5 ou 6 coups là. Je suis mid-life hein. Ouais bah attends, essaye de... Ouais, tout doucement contourne, moi j'essaye de t'aider là. Mais c'est si long de tuer, j'ai repris un coup. Ouais, je suis d'accord, c'est... Mais en fait là je vais aggro d'autres zombies en plus hein, je pense... Ah j'en ai pris une autre là. Ah mais j'en prenais pas tout à l'heure et là c'était le truc de... Non mais... La portée est bizarre aussi je trouve. J'aime pas en fait la façon de taper, elle est spéciale quoi. Ouais, c'est... ouais. Mais même la portée est bizarre. Voilà, ouais, par contre, je vais y passer, hein. Je vais crever. Bah, bouge. On peut fuir, hein. On peut juste fuir, hein. Ils sont très lents. Ouais. Et genre, il me reste même pas un quart de vie. Je dirais qu'il me reste 10%. Mais utilise les bandages. T'as pas utilisé les deux tout à l'heure. Je vais faire. Non. Reviens vers moi. On cire, hein. Ok, je suis full soin, moi. Moi, ça m'a remonté jusqu'à. Je vais reprendre le couteau au cas où, mais 25, franchement. Je dirais. Sinon, je gun. Hein. Si vraiment t'as pas le choix, tu gun hein, si tu dois mourir. Ah, il y a Mister à 100 mètres là-bas sur la quête. Bon, bah, si c'est bien coop, en vrai, autant le rejoindre alors. Hein. Ce titre en anglais, ça va. Ah, il est au sol, le mec. Mais vas-y, on va essayer de le relever. On va essayer de le réa. C'est notre mission. Ok, il y a des trucs à faire ici. Ah non, il a quitté. Ou il est peut-être mort. Oh, non, mais c'est explosé tout. Par contre, doucement. Récupère. Attends. Ouais, c'est lui là? Bah attends, ça c'est un vrai joueur, hein. Non, mais il est en zombie, je crois. Je sais ah pas. Non. Ah non, non. Non, c'est un vrai joueur, je pense. Ah non, c'est un vrai joueur, t'as raison. Oh. Mais gros calibre, mais j'ai pas de gros calibre. On va essayer d'aller un peu avec lui, du coup. Après, nous, du coup, on avait désactivé le vocal entre nous, donc... Je pense que même s'il lui parle, je sais pas si on entend. Après, d'un autre côté, on sait jamais. Des fois, les gens en vidéo. Oui. Ah oh non, j'ai fait une erreur. Derrière, il y a une runner. Alors là, le problème, c'est que j'ai plus de deux. Ah, mais bouge alors. Éloigne-toi. J'ai rien à te donner, lampe. Je vais fouiller, voir s'il y a pas des trucs. Bah attends, il y a un autre, là-bas. Mec là-bas. Pourquoi on voit pas son pseudo à lui? Parce qu'il est un peu loin, je pense. Ah, il est à côté. Je suis à côté de lui, je vois pas son pseudo toujours. Et c'est un vrai joueur là, si je fais ça. Oh! Keep a lookout. Qu'est-ce qu'il y a? Bah attends, je sais pas, il sort un kit de soins. C'est pour moi, frérot. Non, je pense pas. C'est pas. Non, je vais me faire. Par contre, okay. Il faut. Toi, reste derrière. Ne prends. T'en es où ta vie? T'es vraiment low? Ouais, je dirais que je suis à 15%. Ah non, mais là, il faut pas que. Non. Tu vas mourir hein, si tu te bats. Reste ouais, en retrait. En fait, je reste un peu au milieu. Il y a une ambulance là-bas. Attends, je vais voir si je peux pas te trouver. Je vais vite y aller. Fais gaffe, t'es suivi aussi. Tu vas prendre un coup. Hein. Rentre peut-être dans l'ambulance. Regarde s'il y a pas un truc. Je n'ose pas l'ouvrir. Elle est déjà ouverte.
Oh, je vois rien. Ah. Mais what? Tu peux pas esquiver quand ils font ça du coup? Bah tu peux les repousser là avec F ou... Ah ouais ça. Il y a un camion de le clic droit ça fait la même touche d'ailleurs. Mais... Ah, ils sont montés sur le véhicule, c'est pas bête. Je vais tenter l'explo hein, sinon. Oh là 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 là. Oh oh. Ils sont rentrés dans... Ça se passe pas bien? J'en ai eu quelques-uns. Ils vont galérer. Ouais, il y en a une à run là. Elle fait flipper. Hein. Utilisez le générateur. Ok, t'as trop géré en plus. C'est arrivé directement sur la quête par contre. Ça va faire du bruit ça. Bon, après on est protégé, je pense. Ah, et réparer le câblage intérieur. Ok. Hop là. Fais gaffe, y'a un zombie. Tu montres pas. Ok, je vais fermer. Je reprends ma stam. Reste, ouais, derrière. Va avec le mec là derrière. Ouais, la... Pas sauter, j'y arrive pas. Par le générateur, puis ressauter. Ah, peut-être. Bah, il a l'animation vers le générateur. Oh là. Ah mince, c'est si bon. T'arrives pas à faire ça, c'est... Ok. C'est bon, c'est bon. Ok, ok. Reste là. Ah bah là, c'est compliqué, hein. Non, t'inquiète. Ah, mais y'a le mec. Oh, pardon. Je sais pas si on peut se TK. Parce qu'il y a un truc à réparer dedans, donc pour moi, il faut qu'on rentre, là. Mais je sais pas si je lui fais des dégâts ou pas en fait, ça c'est dur. Pire, laisse passer mec. On prend à deux comme ça. Voilà, c'est bien. Toi reste caché derrière pour l'instant. Non mais repasse pas hein. On sait jamais. Ouais, tu vas te faire toucher, y'a un mec. Oh là là. Ah ben, j'ai bien fait de pas passer, il y en a qui viennent passer le toit. Hein. Ouais, je viens de voir. Comment tu passes? Comment mais tu passes, je suis mort. Tu m'attraques plein de fois. C'est un cauchemar. Il faut bah, je suis mort. L'angle. J'arrive pas à viser. Ça casse de ouf. J'ai plus de balles. Mais what, mais c'est horrible ce jeu là. Eux ils peuvent passer comme ils veulent, moi j'arrive pas à passer genre. Attends. Non mais y'a encore du monde qui arrive hein. Attends, prends bien le temps de viser les têtes sinon je suis mort. Hein. Y'en a deux qui arrivent encore. Ouais. Ok, j'ai repoussé avant de prendre le coup. Quelle visée de merde. Je recharge. Ah, je vais die. Ah bah, je suis balle. Je peux rien faire en fait si je peux pas repasser. Mais c'est horrible. Je pensais pas qu'il y en avait autant, moi. Ok, je ferme la porte vite. Ok, c'est bon. Oh putain. J'ai moins de PV que toi, je pense, maintenant. Non, est-ce que je fais du dégât ou pas? Essaye de passer là, tu triches et tu sautes là. Mais en fait il faut aller dedans pour faire la quête, ça le truc. Oh. Ah ouais, par ça je passe en fait. Mais ouais. J'ai pas eu le temps de faire ça avec tous les zombies. Bah oui, tu m'étonnes. En fait ils ont retourné, ils sont rentrés par... De toute façon je pense que là c'est clean hein, maintenant donc... Oh là là. Ah c'est barricadé, ah ils ont barricadé dedans. Comment on les rejoint? Oh merde. Ah il est en train de débarricader, il nous ouvre. Ah. C'est horrible la scène où tu vois tout arriver, où tu peux pas... Oh, il y a des trucs qui arrivent. Ah ouais, il y a des zombies. Ah mais il y en a dehors aussi, hein. Il y en a dehors, hein. Oh non. J'ai fermé exprès. On peut barricader ? Je sais pas. En vrai, occupe-toi de... Ah non, mais ça c'est fait. C'est là-bas, du coup. Tain, si seulement on avait des... Ah bah c'est réparé, c'est bon, il a fait. Non mais là, il faudrait qu'on puisse looter, ouais, des soins et tout, là. Hey, can you guys read the message? Yes, mais c'est qui parle? Ah non, mais c'est pas un mec avec nous, lui. C'est The Old... Non, c'est pas un gars avec nous. Bon, juste, on a l'air de pouvoir se réa quand on est au sol, donc faut vraiment qu'on joue sur les réas, je pense, s'il y a un problème. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'on meure tous les deux, quoi. Petite fourniture, hein, j'aimerais tellement des soins, là. Oh là là, qu'est-ce qui arrive? Je vois rien de plus, je recule. Ouais, toi non plus, tu vois rien. Hein. Trop chiant. Hein. Ouais. Je pense pas qu'ils le. Ils ont pu barricader, hein. Je sais pas comment ils font, mais ils arrivent à rebarricader. Hein. Ça, c'est pratique. Il y a un truc à faire à 8 mètres en dessous et un autre à 12 mètres. Je fais gaffe derrière encore. J'ai trop peur que ça arrive à passer. Oh. Waouh, il a aggro du monde encore. Putain, mais.
J'essaie tout de suite de voir, est-ce qu'il n'y a pas des... Le truc à 6 mètres, là, je vais essayer de faire la quête, moi. Vas-y. C'est bon. Ok. Encore deux trucs à 10 mètres. Rétablissez le courant. Oh, il y en a un, il est à terre. Oh, ah, il va falloir le réa. Sur lui. Ah, c'est quoi ? 572. 498. Attends, c'est radio 1 et 2, donc c'est ça, 572. Ah, je pourrais pas. Oh non, j'ai repris un coup. Oh, j'ai 0 PV. Ah, il est mort le mec. Bah ouais, il avait le logo en mode zombie. Ah, c'est un zombie là. Le code est à côté, le code est à côté. Si tu me covers, je peux le mettre. C'est 1 et 2 la radio. 572-498. Vas-y, je le mets 572-498. Et fais vite. Je pourrais pas cover longtemps, je pense. C'est bon. Ok. Là. Je suis au sol. Oh putain. Je peux utiliser la seringue aussi. Je sais pas si tu peux me réa, sinon une fois que t'as tué lui, je vais attendre un peu au cas où. Ok, j'essaye. Oui, je peux. Oh là, attends, ok, c'est bon, je peux. Parce qu'en vrai, si ça vous utilise rien de me revive, autant que je garde ma seringue, je sais pas ce que c'est d'ailleurs cette seringue. Oh, ça m'a relevé au gun. Eh, mais y'a un mec là encore. Y'a un gars là, ça doit être monsieur amiral, je sais pas quoi là. Oh là là, il va te faire sauter lui. Y'a vraiment beaucoup de monde. Ah oui, terminé des objectifs pour débloquer, y'a une porte là. Je pensais dans la zone. Oh. Oh mais là il y a trop de monde, j'arriverai jamais à... Attends. En vrai le mec, je sais pas combien il a de balles mais... De toute façon ça s'arrête jamais hein. En fait il aurait fallu faire la quête vite je pense et... ouais. Sinon faut les enfermer eux ici tu vois en repassant par en bas quoi mais... Si on y va accroupi. Parce que c'est peut-être un jeu aussi où vous faites bien discret quoi. Ah bah sûrement que le bruit doit avoir un impact... Ah mais... quoi? Ah, au milieu d'un mec là. C'est barricadé. On pourrait rentrer par une fenêtre quoi, mais sinon. Ok, je suis accroupi. Pour l'instant, ils me captent pas trop. Ils ont l'air d'être plus sur le mec. Ah si. Ah non, mais ils m'ont déjà capté eux. Ok, bon, le bruit, ils s'en foutent alors. Ah ouais, derrière nous aussi. Oh là là. Ah ouais, c'est un trap, ça. C'est un traquenard. Faudrait ressortir par là où on est rentré. Hein. Ressort par là où on est rentré. Parce que là, on va se faire sandwicher, là. Allez, les gars, go quête, là. C'est radio 3 et 4. C'est radio 3 et 4. Ok. 321 339. Bon, tu les tapes. Oh non. Normalement t'as un pas à droite. C'est terminé. Accéder à la cage d'armes, donc la cage d'armes elle est là. Non, c'est pas là. Je pensais que c'était là. C'est là. Utiliser. C'est bon, je suis en train de faire un truc sur le PC. Ok. Tu vois, en fait, c'est ça, faut la faire vite, la quête, tu vois. Oh non, il y en a un qui est par terre, j'arriverai jamais à le relever. Bah, je vais être par terre aussi, je t'avoue. Hein. On va tous mourir. On va crever, ouais, on va tous crever. Je vais sortir. Hein. Je suis sorti. Waouh, mais il y en a encore plus dehors. Mais what? On peut être safe quelque part dans le jeu ou... C'est horrible là, la difficulté en fait. En fait, enfin oui, non, je comprends, c'est basé pour être à 8, sauf que jamais t'as un groupe de 8 joueurs que tu connais. Ouais. Et que sur la map, au final. Ah, mais tout le monde est mort au combat, on est plus que 3 sur la map déjà. Ça faut le savoir. Et que sur les 3 sur la map, et encore, on est 4 avec lui, non? Ah, moins que ce soit un zombie lui en fait. Ouais, je sais pas. Si, ça, il est mort. Il a le logo tête de mort. Ah ouais? Ouais. Je suis descendu. Je suis tout en bas. Je vais repasser par une fenêtre. Ok, il y a moins de zombies en bas. Ok, j'ai accès à la porte de la cage d'armes, elle est derrière le... Ah mais t'as réussi à l'ouvrir. Oui, c'était avec le PC. Oh, le bandage. T'as des bandages? Vas-y, y'en a un en chaque. Attends, j'ai un gun, direct. Et il est où, le bandage? Ah, y'a des bandages de soins, la medikit.
Ici, c'est, non, contre, c'est contre. Gros medikit. Attends, mais t'en as pris un? J'en ai pris un à l'instant. Ah, oh, t'es un monstre. Alors, c'est quoi par contre? Ok, j'ai une carabine. Fusil, ça doit être munition pour fusil, je pense. J'ai utilisé le terminal. Ok. Ah oui, mais c'est... Ouais, c'est une arme auto, toi t'as des balles là-dedans, t'inquiète, je pense que c'est bon. Ok, t'es prête? J'en ai 30, hein. Ok, reste caché. T'inquiète. Wow. Ils sont toujours là, MDR. Non, jure. Je te jure. J'ai deux bombes tuyaux, mais en vrai... La seringue de réanimation, prends-la par terre, j'en ai déjà eu moi. Il y en a une là, juste par terre là. Ok. Bon ping. En vrai, on est pas si mal, hein. Là, il y a juste... plein, attends. Ouais, prends... Tu sais qu'on a fini la quête, hein. T'es prête? Ouais. Je fais sauter, dès que ça a sauté, on va tenter de sortir après. Recule bien. Mais ils sont tous là, hein. Mais c'est quoi ce bordel? MDR, tu vas rire, j'ai déjà plus de balles. Mais... non. Attends, c'est peut-être les gros calibres que j'ai aussi. J'ai fermé déjà. Oh, ça va nous tuer nous par contre. Attention, recule. Ça va? Ouais, c'est bon. Ok, on s'y tire. Viens. Vas-y, faut on sort. On part dehors. Ouais, on sort. Follow. Je te follow. En vrai, je serais bien chaud de monter même là-dessus. Moi, je peux pas, ok, je me tire. En fait, j'ai besoin de faire une pause là quelque part. Ok, c'est bon. Vas-y, on se tire, t'es prête? T'as de la stam? Ouais, allez, recule, vas-y. On y va. À l'arrière. Ok, 200 mètres, on a une autre quête là-bas, mais on verra après. Là, on se tire. Retourne pas. On se tire. Ah, notre allié est au sol. Non, ça me fait trop de peine. Couteau. Ah, il est mort, on peut se barrer. Il est en zombie. Ok, bon, on se tire là. Désolé, mec, on voulait te sauver, mais là. Mais de toute façon, même nous, on est morts, hein, parce que si on peut pas s'extraire sans avoir fait la deuxième quête, on est foutu, hein. En tout cas, on a les deux derniers en vie. Peut-être que... Oh là là. Oh, lâche. Oh non. J'ai récupéré une hache à deux mains. Cours. Ouais, c'est là-haut, c'est dans la station. Comment on monte? Là où okay, je suis, je crois. Échelle. Ah. Vas-y, trace. Enfin, échelle, oui, vas-y. Ok, c'est quoi ça? Ça monte ou pas avec nous? On est safe, non, là? Essaye d'avancer. Oui, non, mais je regardais juste si un petit safe déjà. Je trouve que ça va avancer. Tu me suis? Ok. Là. Hop. C'est ok? Ouais, vas-y, fonce, ils sont derrière moi, ils me collent. Ah ouais, je peux bien te croire. Ok, là, va falloir être bon, par contre. Ok, je repousse avec clic droit de temps en temps. Et après, je cours. Faut juste pas se faire grab là. Je passe à gauche. Je passe à droite. J'ai pris un coup, c'est pas grave. Oh là là. Wow. Est-ce que ça va toi? Ouais, ça va. J'ai un problème là. Comment ça s'ouvre ici? 3? Attends, 3 quoi? J'ai cru que c'était une extract. Oh non. J'ai vu un 3 en bas à droite, je sais pas. Moi pourquoi. Aussi, là où je suis, entré à l'ouest. 9. Je me fais défoncer la gueule, je vais crever. Tire. Non, je suis à terre. J'utilise une seringue. Ah ouais, les runners en premier là si je peux. En vrai, ils sont pas tant que ça si on arrive à les tuer là.
fait. Ah, c'est dur. Il y a du monde qui arrive là par contre. Je comprends pas, mais je comprends pas ce qu'on doit faire. Hein. Où ça se trouve, faut. Y'a plus de points sur la map, on est d'accord? Entrée à l'ouest, 9. Ok, c'est les points d'entrée. C'est juste ouest machin. Et là, c'est 40. Putain, est-ce qu'il fallait pas allumer quelque chose là, dans un point de. Ok, j'essaye d'aller. Il meurt pas, hein. Je remets des têtes là pourtant. Ah si, il est mort en vrai. En vrai, ça va si je prends le temps. Oh. En vrai, ouais, si je prends bien le temps en fait de mettre les têtes, ça va. Hop, plus de balles. Oh putain, je crois que c'est par là. Attends, attends. Ok, ok. Ok, ça va. Oh putain. C'est par là où t'es, tu penses? Je crois que c'est là où je suis. Le problème, c'est qu'ils viennent. Comment t'es monté? Juste explique-moi. Bah là où c'est en train de monter, là où ils sont tous en train de monter. Ok, 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 ok. Bah cover moi, je monte. Ok, vas-y, vas-y. Bien joué. Vas-y, on se tire, t'as raison. C'est ici. Je sais pas par où faut passer. Ouais, j'avoue, fais le tour, va. En vrai, attends, ils nous ont pas trop suivis. Tu sais que là, au lieu d'aggro de tout le peuple, là on peut en tuer un ou deux en passant, comme ça on a plus personne. Hein. D'accord. Parce que là j'ai quand même une grosse arme. Là au corps à corps, je pense que je les arrache maintenant, donc un par un. Un par un, je les arrache, vraiment. Juste, j'ai plus de... Je peux pas utiliser ma lampe pendant que j'ai la grosse arme. J'ai plus de munitions. Ok, donc maintenant faut juste trouver un chemin là-bas. Tu m'éclaires et moi... Oh non, il y a beaucoup de zombies là. Et voilà. Est-ce que c'est pas le truc là, en face de toi, en face de toi? Bah je pense. Le hein. Truc électrique. Électrique? Ouais, voilà, ça là, tu le montes. Est-ce que tu peux pas l'escalader après? Oui, je pense. Mais on revient pas de là où on vient? Ouais, mais pour passer en fait ce ah, truc, c'est en dessous ici là. On va ouais, parce que là avec on mon pas arme. De bombe non, j'en ai pas pris. Non, mais là c'est chaud de run là-dedans, je pense, non? Attends, je regarde si j'ai pas de bombe. Parce que le problème c'est que dans la centrale, on sait pas ce qui va se passer quoi si on est bloqué. Bon, vas-y, on run. Et moi j'y vais en premier. Enfin, je sais pas. Non, j'y vais. Ok, je passe un peu à gauche. Là où je suis, je pense, non? Ok, ok. Ok, je two-shot les ennemis avec ma hache, du coup quand c'est des runners, c'est bien. Je peux les two-shot. Attention, c'est du coup. Oui, aïe, aïe, oh, je suis mort. Je suis 2 PV, j'ai 2 PV. Faut que je me heal. Attends, mais comment t'as fait pour pas prendre dégâts toi là-dedans? Si, j'ai pris des dégâts, je suis pas bien. Ah. Ah ouais, je vois tout pas bien là. Il y a un bruit bizarre ici. Code de confinement de sécurité. Ça veut dire c'est pas fini. Trouvez le code, mettez fin au confinement. Ok. Il y a un mec qui arrive. Ok, un par un je peux tuer. Par contre, on a plus de heal là. Ah, je suis trop long pour taper. Par contre, j'ai pris des dégâts. Non, mais j'arrache avec ça. En fait, on continue de taper des fois alors qu'ils sont pas morts aussi, c'est ça le truc. Bon, 44 mètres. Mais le problème, c'est que là, il faudrait qu'ils se calment un peu, les zombies, vraiment. Avec l'électricité, peut-être que. Mais attends, quand on j'ai plus de vie, map, hein. C'est où là? C'est là-bas. Le point est là-bas, mais. Comment on bon, y va? Parce que c'est dans le tunnel. Moi, je pense qu'il faut sauter hein, ici, là où on est, mais. Il y a de l'électricité au sol et ouais, tout. Ouais, mais là où on est, on peut sauter ici et re-sauter à gauche, mais. Ok. Oh, les bruits que j'entends, j'ai pas confiance. Là, attends, ouais, il faut y aller à tour de rôle parce que je. Ça sent la merde, hein, cette histoire. Non, ça part de l'autre côté. Ok. C'est là, hein. Je pense que c'est là, moi. Hein. Regarde, en face, je peux remonter, y'a pas d'élec, hein. Je me suis raté. Quoi? Ah non. Je suis tombé. Oh non. Attends. Ah, faut que tu remontes à ta droite. Ouais, c'est bon. En vrai, ça va. Oui, tu peux aller tout au bout, toi, là où t'es, c'est plus safe encore, même. Ok. Tant qu'il n'y a pas beaucoup de zombies, je les tue, ok? Pour être safe. Comme ça, s'il y a un problème, on peut se réa. Tant qu'on peut ne pas trop aggro, on aggro pas trop, ok? Moi, même si il me reste au moins 10%, mais. Tu t'es pas soigné avec le medkit tout à l'heure? Bah, ah, c'est l'électricité, toi aussi, ça arrache. Ouais. C'est pour ça, on ne se colle pas. Comme ça, s'il y en a un qui meurt par élec ou quoi, que le deuxième ne meurt pas, tu vois? D'accord. Bah, laisse-moi devant, vu que tu m'éclaires, peut-être. Comme ça, moi, je peux taper. Ok. Ok, je cours pas en vrai, je vais arrêter parce qu'on sait jamais. Ok, il y a le zombie là.
prendre le code. Ok. Putain, mais j'en peux plus, c'est faire. Ferme la porte derrière, il y a de l'huile ici. Ah, je crois. Ferme la porte. Il y a de l'huile. Ok, et on est pas si mal hein, quand même, hein. Encore une fois, pour deux joueurs, là on se débrouille, hein, mais waouh. Wow. Ah oui, une grosse clé à molette derrière toi, à mon avis. J'aime bien le marteau. On a les mêmes fournitures, est-ce que. Des bandages. Ah non, là j'en ai un peu plus. Bon, c'est qu'on a bien réparti alors. Je pensais que ça splittait même tellement on avait la même chose. Ça arrive sur nous là, non? Accroupi, accroupi, c'est pas grave. Au pire, il n'aura qu'un seul d'aggro. Il est long en plus, donc c'est ok. Ah, il y a des PC et tout là, mais. Oh, il y a un truc d'arme. Hein. Ah, vas-y. Oh, let's go. Ok. Je vais... Ouais, au pire, quand il arrive, j'ouvre et je le tue, lui, tranquillement. Regarde ce qu'il y a derrière. On a une mine. Petite fourniture. C'est rien pour moi. Ouais, y a un bandage là, je vais quand même prendre lui. Je dois après, s'il y a besoin. Là, il y a des... Munitions pour pistolet G. Yeah. Je crois que légère, j'ai besoin aussi, non? Un pistolet, attends. Ça me l'a pas donné. Ah, mais pistolet, c'est celui que j'ai... ouais, c'est celui que j'ai là. La grosse clé à molette, je pense qu'elle doit être beaucoup plus stockose que le... Je vais la munitions prendre. Gros calibre, mais j'en ai besoin aussi pour lui. Comment je fais? Mais du coup, c'est lesquels que j'ai pas besoin, moi? C'est les munitions... Ah, c'est les munitions légères que j'ai pas besoin. Attends, mais c'est pas pour toi, ça? Carabine légère. Bah, j'ai essayé de tout prendre et j'y arrive pas. Aucune des munitions ne va être prise. Attends. Aïe! Je me fais taper. Ouais, ce que j'allais dire, je vois au travers du mur, ça fait des trucs. Ah, vas-y, relou, là. C'est des munitions pour toi, je pense, ça, que j'ai. Attends. D'accord. Par terre. Ok, alors attends, mais ça me dit inventaire plein. Bah du coup, je vais balancer les munitions gros calibre, hein, je pense. Hein. C'est bon? Ouais. Ok, alors attends. Je vais voir là, qu'est-ce que c'est qui me tapait. Ok, un mort. Attention, il y en a un deuxième. Il est pas mort. Là, il est mort. Ah, mais il tape 10 fois alors que je me suis arrêté, par contre. J'ai la clé à molette, si tu veux. J'ai pris un coup là. Ok. Oh là 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 là. Je jure, ce jeu, c'est une pression. Maintenant, le but, ça va être d'aller tout ah au mais sommet. C'est sûr que c'est pas fini, puisque en vrai, on est qu'à l'entrée de la zone. Donc, à mon avis. Bon. Et eh ben, on y va. Ok. On y va tranquille. Oh non. Récupérateur. Oh non. Vous avez 3 points. Redémarrer les systèmes secondaires, remplacer le fusible, réacheminer le convoyeur. Ça va, ça fait pas trop de trucs. Oh, derrière toi. Les runners, faut vraiment les tuer en prio, ok? Je ne l'ai pas vu. Non, c'était pas une remarque, hein. C'est en mode... C'est juste parce que je l'ai vu courir à la dernier moment, moi non plus j'avais pas vu. Mais c'est en mode, quand on voit des runners comme ça, faut pas hésiter, faut les tuer en prio, quoi. Ok. Ok, oh, sacrée structure. Mais moi non plus, hein, t'inquiète, j'avais pas vu rien. Je sais pas ce que j'ai entendu. Ouais. Oh non. Il faut vite activer. Hein. Ouais, t'embête pas, active okay. Et réfléchis pas, en fait. Fusible, interchangeable. Je vais prendre au cas où. Ouais, vas-y. Ok, c'est fait. Et ensuite, il nous reste un autre point là-bas. Remplacer le fusible. Toi, t'as eu le fusible? Ah, j'ai eu un fusible, justement. Ouais. Ok, c'est super. C'est là-haut. Hein, c'est en bas, là-bas. Ah, je vois un point là-haut. Attends, en haut? Ah, je l'avais pas vu. Ah ouais, bien vu, je l'avais pas vu. Heureusement que t'insistes. Boîte à fusible. Insérer fusible. Justement. Pour l'instant, il n'y a pas trop de zombies, mais à mon avis, ça va pas rester longtemps. Ouais, j'ai peur. Ok, c'est bon. Réacheminer le convoyeur. Donc ce coup-ci, il faut aller faire le point là-bas en face. 5C. Comment tu fais, du coup? Ok, je pense avoir compris. Regarde. En fait, quand tu regardes, il y a écrit 5C, et à droite, il y a écrit genre 5C aussi. Donc en fait, j'ai pris la ligne 5C en haut à gauche, enfin... Ah, 3B, 3B à droite. Et je l'oriente vers la zone... Ah ouais, mais attention qu'elle soit bien alignée alors aussi, avec le câble noir du coup. Enfin, un câble noir jaune, là. Oui, mais je pense qu'après, il doit y avoir un truc, mais... Ah, mais 3C, il y en a pas du coup. Ah oui, moi j'en avais mis le seul où il y en avait pas, c'est pour ça que je l'ai pas trouvé non plus. Parce que je cherchais qu'avec lui au début. Du coup, là, je mets 1B. Et là, on est bon du coup, c'est ça. Normalement, on est bon.
Ça veut dire que là, le 5A... Je pense que oui. Il a rien. Vas-y, donc là, je m'en marche. Ok, t'as raison. Ouais, je regardais trop les fils, moi, derrière et pas ceux à droite. Bien joué. Non, mais moi aussi, au début, j'ai fait comme toi. Et maintenant, c'est ton point là-bas. C'est le point où t'étais, toi, tout à l'heure. Je peux plus. Et bah, tu vois, heureusement que t'es là, parce que ce point-là, pour moi, il n'existait pas. Attends, attends, me bloque pas derrière. Je te recule. Ouais, non, mais c'est pour ça que je te le dis au cas où. Si jamais toi, tu recules, c'est moi qui retourne. Ta tâche, elle dégomme bien. Ouais, dégomme de ouf. Hein. Je me suis arrêté en train de courir pour la looter tout à l'heure, mais je pense que ça vaut le coup. Hein. Ah, purée. Allez, dites-moi qu'on arrive à la fin. J'entends du zombie. Oh, il est. Vas-y, vas-y, monte. En ce coup-ci, je pense que c'est bon, parce que là, j'ai deux points ce coup-ci là-haut. Ah, c'est bon. Allez. Oh non, c'est encore un truc. Tournez les boutons pour obtenir la valeur cible des trois panneaux. Ok, donc là, je vois les trois en haut, il faut aller dans le vert. Par contre, comment je sais? Ouais, faut juste essayer, je pense. Bon, je pense que là, c'est 3. Je pense que là, ce sera 3 aussi. Je pense que là, c'est 1, en vrai. Ouais, oui, voilà. C'est bon. Accéder au centre de contrôle pour démarrer le système principal. Ok, merci. 141 mètres. Ah ouais, centre des commandes au milieu, là. Oh là là. C'est où? C'est là-bas. Finalement, on est en train de tout faire, quoi. On fait tout à deux, mais là, il y a moins de zombies aussi. Après, est-ce qu'on peut pas monter, là, sur la machine, là-haut? Parce que sinon, on peut redescendre, hein. Est-ce qu'on peut monter plus haut? Dis, bon, on va tracer un peu. Tu me suis? Il va falloir un peu tracer, là, je pense. C'est parti. Ok. Après, on a des armes. Je pense qu'à tout moment, si on a vraiment beaucoup d'aggro, faut juste se retourner au bout d'un moment avec... Je pense qu'il faut rentrer par là, quand même. Il faut juste se retourner avec nos armes et tirer sur les runners rapidement, et ensuite, on retrace. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est que les runners le plus gros problème, je pense. C'est là-dedans? I don't know. Je suis rentré, hein. J'aurais peut-être dû monter à droite, par contre. Derrière toi. Ah, c'est bon, non, en vrai. Moi, j'irai à droite. Ouais. Ah, faut sortir, en fait, hein. Ouais. Ok. Ok, je pense que c'est le bat. Ok, ferme la porte derrière. Est-ce que je peux les taper à travers, le? Bah, je run, alors, hein. Faut faire la quête, hein. J'ai cassé la porte. Ah, je savais pas qu'on pouvait. Bon, j'arrive. Mais t'es où toi? Il y a trop de choses à noter dans le code là, dans le book. Ok, faut ah que oui, je dise démarrer. Ce dont j'ai besoin. Il faut être à deux, c'est tout. Il faut démarrer. Ouais, voilà, 205, 158. 205, 158. Oui. C'est bon. Ensuite. Assurez-vous que le courant circule. Zombie. Zombie. C'est rentré. J'y arrive pas avec mon arme, ça. Je me mets un bandage. Mais du coup, assurez-vous que le courant circule. Attention, il y en a d'autres qui arrivent. Ah, le problème, c'est que j'ai cassé la porte comme un gros débile. Je savais pas que je pouvais. Ils sont à tous les points de porte, hein. Ah, je sais. Oh non, ils ont pété les portes. Non, 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 non. Bah, rip, hein. Tirer, là. Bah, oui, tire, hein. Oh là là, oh là là, non mais dehors. Bon bah là, ça y est, on est reparti. Y'a que des runners, je te jure, c'est horrible. Oh là là, ça court fort. Je sais, ouais, j'entends. Aïe, mais vraiment? Ça tourne un truc encore? Un... Oh non, mais c'est vraiment. C'est des mini-jeux. Mais faire des mini-jeux alors qu'on est autant suivi. En vrai, encore que ça va. J'essaie de comprendre. On a pas beaucoup vite. De temps. Ah si, si, il faut que tu cliques. Un à gauche, deux au milieu et deux à droite. Vas-y, je comprends rien. Je die. Moi aussi. Oh non. Mais j'avoue que t'as pas le temps de comprendre des mini-jeux quand t'as tout ça derrière, en fait, hein. C'est impossible. Waouh, j'arrive pas à les... C'est impossible de viser sur des runners comme ça. Oui, tu vois, c'est pas dur en fait, parce que tu s'il y en a qu'un peu, il faut juste en mettre un, si un bouton, tu vois. Plus tu mets ouais, de boutons, me plus ça augmente la jauge en fait.
Ouais. Donc tu vois, ça peut aller très vite. Tu peux savoir en fait à vue d'œil à peu près combien il en faut. Mais moi j'ai dû foirer le mien de 1 quelque part. Parce qu'il y en a un qui était un peu limite, je pense. Ok, il bon. Y a une porte qui est énorme. Moi je me suis mis en hauteur et à la hache, j'arrive à tuer un peu ceux qui marchent pour l'instant. Comme ça, je fais pas trop de bruit et j'arrive à les tuer et j'ai plus de runner. Donc pour l'instant. C'est pas la pire situation en vrai. Juste pas que j'ai un runner quoi. En vrai, je pourrais me mettre la lampe au sol là, tu sais, la grosse lampe, on peut la mettre au sol donc. Ok, bon, j'ai clean pas mal de mecs. Je suis re-rentré. Ah ouais, mais c'est impossible du coup. Ah ouais. Il en reste plus qu'un. Il en reste un? Je le vois plus. Ouais. Mais c'est dans le bat, c'est dans là où t'étais. Ah non, bah oui. Ah oui, oui. Ah non, mais ça, je le voyais alors, oui. Mais c'est le. C'est ce qu'on faisait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va ouais, falloir, okay, falloir ouais, faire toutes les étapes. Ouais, bah on est foutu, hein. Bah un peu. Ouais, mais... Non, mais sors. Ouais, je sors, mais. C'est juste les runners là. Ah, j'ai vraiment beaucoup de monde sur moi et ils sont nombreux à me taper et là je vais mourir dans 5 secondes. Je suis morte. Non, je suis là. Je te ranime. Mais ouais, c'est, j'ai vu l'animation en mode... Oh, je me transforme, je me transforme. Je t'ai ranimé normalement. Non, non, je me transforme, je me transforme. Fais attention. Je t'ai ranimé. Non. Non. Bon, ma POV mort. Ah ouais, génial en plus quoi là. Non non mais ça ne me dérange pas, t'inquiète pas. Bah moi un peu quand même. Mais en fait je pourrais pas faire la quête, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 100 zombies dedans quoi. Surtout qu'en plus la quête j'ai pas compris parce que c'était au niveau du bloc-notes. Mais je pense que ça devait être l'écran bah, si. De nouveau. Bah oui, en fait c'est ça, à chaque fois, et c'est ça qui va être triste. Tu vois ce qu'on a fait là, je t'ai fait une étape démarrer. Et on a été régler 3 trucs, ou 4. Ouais. Et bah ensuite, il y a l'écran je sais plus quoi, tu te souviens qu'il y avait plein de chiffres. Bah, ouais, faut faire chaque chiffre un par un et à chaque fois va falloir faire des trucs à côté je pense. Donc ça veut dire que c'est très très long et encore une fois à deux. Et encore t'as géré hein, t'as réussi à faire du coup tous les... Mais encore une fois je trouve que le jeu pour le moment, bon après ça reste une version en accès anticipé. Mais quoi pour ça le moment je trouve que les coups sont très très longs à donner. J'ai l'impression que c'est à l'infini, t'as jamais de temps de répit. Alors au moins ce qui est bien c'est que ça te met un stress. Bah après dans ce type de jeu ça me choque pas mais... Oui. Ça éclaire là ou pas un peu? Vite fait hein. Des fois on panique tellement qu'on fout le tir aussi, on gaspille vite les munes. Alors que j'avoue que si tu mets la tête ça part bien mais bon c'est trop dur. Dès que t'as les runners en fait c'est trop dur. Le problème c'est que bah comme on dit hein, si c'est respawn illimité, autant dire que... Le petit gun est bien par contre, mais après il a pas l'air de one shot lui. Bah, lui one shot pas je crois. Le petit gun là que j'ai looté tout à l'heure il est pas trop mal. En fait j'aime bien l'idée mais c'est ça, tu sens que... Aïe. Comment j'ai pris ce coup hein, vraiment. En fait tu sens que il te faut être 8 en vocal quoi limite. Vraiment. Et pour moi, genre avoir 8 potes qui veulent un même jeu, qui sont dispo en même temps et tout, c'est quand même complexe. Oui, c'est pas facile. Hein. Et puis d'avoir des randoms avec toi finalement. Après, attention, hein, ils ont fait ce qu'ils pouvaient aussi en vrai, sachant qu'on n'était pas en voc et tout. Franchement, on n'est pas tombé sur des mecs qui ont troll par exemple, tu vois. Donc les mecs, franchement, rien à dire. Hein. Rien à dire pour eux, hein. Ils ont joué le jeu et tout. Donc c'était trop cool par contre d'avoir joué avec eux et tout. Mais par contre c'est vrai que bah déjà tu peux pas te réunir avec eux parce qu'il y en a un groupe qui a été faire une quête, l'autre une autre. Il y en a ils font à deux, d'autres seuls. Bon après on sent que les gens découvrent aussi. Mais du coup c'est compliqué parce que t'es splitté aussi sur les quêtes. Et c'est plus dur, tu peux pas mettre des plans en place non plus quoi. Donc, Ah mais mon perso n'est pas... Enfin c'est marrant parce qu'elle est morte. Mais tu vois qu'elle n'est pas considérée comme morte parce que je la vois se faire attaquer en boucle en fait. Mais là il y a plus de zombies sur toi si. Ah si. Il y en a une là, je vois. En fait, c'est ça qu'il faudrait que je fasse, c'est aggro tous les zombies sur toi. Bah ouais. J'avoue que ce serait bien que la difficulté se scale quand t'es tout seul, parce que là, je suis censé faire quoi en fait. C'est-à-dire que. En plus, j'ai l'impression que ça continue de. Moi, j'ai la sensation que ça s'arrête pas. Ouais, ça continue de spawn, hein, je pense, là-dedans en plus. Hein. Ah ouais, mais j'avais pas vu, ils ont bloqué toutes les entrées, je pensais que c'était que la mienne là. Bon bah, je suis mort. Hein. Ah ouais, non mais. Ouais, quand tu vois tout ce qu'il y a dedans. Non mais ouais, je sais pas, le jeu, en fait j'aime trop le jeu, je trouve que c'est trop cool et tout, mais d'un autre côté,
La difficulté, c'est pas tant ce qui me dérange, mais en fait, le problème, c'est que là, il est vraiment pensé pour 8, et pour moi, c'est très situationnel. Genre, être à 8, ça va juste dégoûter beaucoup de joueurs, en fait. Parce que là, moi, par exemple, je sais que je réunirai pas un groupe de 8 qui aura envie d'acheter le jeu, en plus, et tout. Et du coup, je sais très bien que... On n'a pas 8 potes avec qui jouer, quoi. Ouais, c'est ça. Après, même bien, il y a matchmaking et tout, mais bon, encore une fois... Ouais, mais c'est pas pareil, tu peux pas... Exactement. Regarde, on peut pas gagner avec des randoms là-dessus, je pense, enfin... En tout cas, nous, tous les randoms... Bah, après, c'est la découverte, mais tous les randoms qu'on a eu, t'as eu, sont morts à la première quête, au final. Ah oui. Tout le monde est mort première quête. C'est ça, il y a un écran, je dois encore mettre le refroidissement automatique, et il faut que j'aille lire là où il y a tous les zombies. Vous me permettez, s'il vous plaît? Permettez, faut juste que je lise un truc, que je retienne, sans paniquer, hein, bien sûr. Ah mais là tu vois le saut, c'est pas normal que je puisse pas y aller par exemple. Bah là c'est pas normal, je devrais au moins pouvoir me marcher sur le comptoir là, de pouvoir aller lire, je peux même pas y aller. Excusez-moi, pardon, oui, alors c'est qu'en fait je veux passer. Merci, bon bah je vais vous rejoindre, je serai l'un des vôtres bientôt. Bon, retour au menu principal, on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Parce que là, si j'arrive dans l'accueil, qu'est-ce que je... Ok, donc là, j'ai un nouveau perso, puisqu'en fait, mon perso est mort. Donc, peu importe, hein, vas-y, on prend lui. Et donc, parce qu'en fait, on a des compétences quand même. Alors peut-être qu'au début... Ouais, mais de toute façon, si on ramène rien, j'avoue qu'on pourra pas débloquer des compétences. Parce que en fait, on a les nombres de survie. Même pas... On a pris un peu d'XP quand même, hein. Je suis passé niveau 2. Comment ça, niveau 2, mon perso est mort, hein. Je suis niveau... Ah non, en haut à droite. Ouais. Ah oui, l'XP de compte, ça je sais pas à quoi ça sert. Et du coup, ça c'est quoi? Ça c'est objectif accompli, nombre que ce personnage a ranimé, et les fournitures récupérées de CRC. Donc ça c'est les fournitures, ok. Et du coup ensuite, les compétences. Niveau 1, stock les munitions, stock de munitions plus large. Ok. Et je peux pas le changer, donc faut juste monter de niveau de personnage, donc faut extract, et on va débloquer des nouvelles compétences. Ça, ok. Et du coup, là les fournitures qu'on récupère, ah ça se trouve c'est juste pour l'XP du perso ou quoi. Hein. L'XP de compte, mais je sais même pas à quoi ça sert l'XP de compte. Dis-toi, je vois rien. Parce qu'on a accueil, on a personnage, feuille de route. En cours de développement, idée de phase de conception. Amélioration de performance, mais en fait il y a rien du coup là, je comprends pas. Tu vois un truc qu'on peut faire Rien du tout, je suis en train de chercher justement comme toi. Donc... Et je vois pas d'interaction disponible. À part les compétences, mais en montant juste de niveau, je vois strictement rien. Du bah coup, là après, du coup, ça donne moins envie de farmer le jeu si t'as rien à débloquer derrière. En moi, fait, je pensais qu'au moins en quittant, même si t'avais perdu, tu gagnais quand même certaines choses. Ouais. Et là, t'as vraiment la sensation de si tu meurs, ah, y a que dalle. Alors, c'est peut-être à droite, il y a équipement, si c'est peut-être ça, en attente de l'autorisation. Peut-être que si on arrive à extract une fois, ici, on aura de l'équipement qui va se débloquer et peut-être qu'avec les ressources CRC, on pourra acheter de l'équipement pour le début de partie. Il y a peut-être ça. Il y a peut-être ça ici. Mais encore une fois, t'es à deux joueurs. Admettons, t'arrives à extract une game, ça se passe bien avec les randoms et tout. Ils ont carry et tout ça, trop bien. T'as peut-être un petit peu peur quand même de ressortir ton perso en jouant à deux ou trois, quoi. Et tu sais que tu vas tout perdre après. Et tu sais que tu repars à zéro après. Donc ouais, j'avoue. Ouais. En fait, l'idée est intéressante. Le jeu est quand même intéressant et tout. Mais le système de combat est un peu lourd, je trouve. En fait... Ouais, ça, les coups sont lents, même, t'as vu le tuyau de base, les coups sont lents. Après, oui, avec le couteau, ça allait plus vite, mais finalement, il me faut tellement de coups pour tuer un zombie, il y a tellement de zombies, qu'il te faut bouffer ta stam genre 10 fois pour pouvoir tuer un zombie, c'est... Bon, j'abuse un peu, mais c'est un peu horrible. Donc c'est un peu frustrant, parce que j'ai envie d'aimer le jeu, j'aime l'idée du jeu, j'ai bien aimé les sensations de pression constamment, et d'alterner entre le « ok, on court », »,« ok, attends, il y a 2-3 zombies, on les tue, on essaie de se stopper un peu », »,« ok, il y a l'adrénaline », »,« ok, on arrive à faire des objectifs avec des zombies dans le dos parce qu'ils courent pas, ils sont un peu lents, on a le temps. Tout ça, j'ai bien aimé. Mais il y a le côté frustrant de qu'est-ce qu'il faut faire au début et quand même de difficultés présentes et du fait que ouais, si t'es pas un groupe solide, et ben, tu peux pas y arriver, il faut être nombreux. Donc, ouais, à voir s'ils évoluent le jeu d'une manière ou d'une autre peut-être par rapport à ces trucs-là. Quoi, mais bon, mitigé quoi, sur le jeu, mais je le trouve quand même sympa malgré tout, tu vois.